là. Parce que je le répète, hein, j'ai été violée. J'ai été violée. Là, j'ose le dire. J'ose le dire. Je suis française, d'origine marocaine. À la reconstitution, j'ai demandé la confrontation spontanée qui s'est mal passée. Parce que j'ai eu le malheur de dire, je ne l'accuse pas de tous les maux de la terre, mais je l'accuse, monsieur Intel, de m'avoir fait ça, 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 ça. Il s'est retourné devant la juge. Et il me dit, mais t'as encore rien vu. En fait, c'était que des injustices. Injustice, injustice. Vous voyez, c'est pour tous ces petits trucs que je lâcherai pas. Moi, je suis personne. Ça fait longtemps, vraiment, en fait, je tiens pas. Moi, chaque manif que je fais, je suis pas bien. Je suis insomniaque, je mange pas, je dors pas, je me méfie de tout le monde, je mets même pas d'écouteurs tellement que je suis à l'affût, je suis en peur qu'on m'agresse dans la rue. Vous imaginez? Il y a eu des faux témoignages lors de mon procès, il y a des gens qui sont venus à la barre qui m'ont dit qu'on connaît Katia depuis 15 ans. Il y a des gens qui sont partis en fait au commissariat d'Limoges qui ont dit si on la voit en voiture, on l'écrase. Vous voyez, mais moi c'est des gens que je connais même pas, je pourrais même pas dire en fait à quoi ils ressemblent. Vous voyez, moi j'ai des ennemis partout, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous venez à moi, je me dis vous êtes qui, c'est quoi vous êtes derrière, parce que moi en fait, je vérifie tout, vous comprenez? Mais en tout cas, je l'ai sûr que je sais moi, que mon avocate sait, que les médecins qui me suivent, c'est que je suis pas folle, je suis pas schizo, je suis pas parano, je suis pas mythomane, je suis pas narcomane, je suis pas mythomane. Je suis juste en stress post-traumatique. Voilà, il est né, c'est pour moi, c'est... Voilà, moi j'ai ce besoin, ce qui m'anime, c'est mon nouveau procès. Vous comprenez? Du coup, mon nouveau procès en fait. C'est pas possible. C'est pas... Non mais j'ai du mal à y croire. Après je me doute bien que vous... Peut-être vous posez des questions, mais vraiment, la vérité elle est là. Voilà pourquoi ils ont pas fait appel, ils avaient 15 jours. Pour quelqu'un qui dit que 8 ans c'est beaucoup, ils avaient 15 jours pour faire appel. Ils n'ont pas fait appel. Parce qu'ils avaient les preuves. Il m'a violée. Il m'a violée. J'ai tout décrit. Pour une femme, vous savez, comme nous, vous voyez, comme nous, une fois au commissariat, déjà c'est une étape. Déjà, moi au quartier, j'étais qualifiée de balance, de poucave, parce que je poucave un mec qui est maghrébin. Pour moi, j'avais cette étiquette, je dis, je m'en fiche, j'y vais, je m'en fiche. Vous voyez, j'ai eu les couilles, le cran de le faire, et j'encourage toutes les femmes et les hommes battus aussi, je le dis, j'encourage toutes les femmes et les hommes battus à aller au commissariat, et même s'ils n'ont pas le courage de partir, de vraiment, j'incite, faut pas rester, faut pas croire à non, t'inquiète pas, c'est rien, c'est pas vrai. Un homme qui frappe une fois, une femme qui frappe une fois, c'est un vita aeternam. Moi je vous le dis, je vous le dis, vous voyez, moi la sensation du pont, il m'a suspendu par-dessus un pont. Vous voyez, il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins tout au long. Parce qu'en fait, il envisageait tout le long du chemin. À m'envoyer en fait dans une tournante en fait. Parce qu'au quartier, il y avait un coin en fait. Du coup, il y a beaucoup de gens le soir qui boivent, normal quoi. Et du coup, en fait, voilà, ils étaient alcoolisés en fait. Et ils me traînaient comme ça. Ils me traînaient en fait pour me faire violer. Vous comprenez? La vue du sang, la vue de mon sang, ça l'excitait ce mec, vous comprenez? Moi ma mission c'était de protéger mon visage, j'avais les côtes cassées. Moi ma position préférée c'était comme ça, j'étais comme ça. Je peux même pas vous raconter les viols, imaginez, j'étais méconnaissable. Méconnaissable, j'oublierai jamais le jour où la femme m'a mis à poil, la médecin légiste. J'oublierai jamais, jamais, jamais son regard à cette femme. Vous imaginez même pas en fait comment j'étais quand elle a pris son téléphone qui a photographié, j'étais tellement comme une... J'étais une sauvage. Et j'ai erré dans les rues. Mon slip, j'en avais plus. Et après, j'étais une crados, je le dis, je l'assume. Et maintenant, regardez le résultat, ce que je fais. Je demande un truc, un nouveau procès, c'est tout. Et après, je continuerai certainement ma vie. C'est tout ce que je demande, c'est tout. En tout cas, merci. Merci pour votre écoute. Merci.